Salut, comment y est? Oui, les Valérie Noisette, nous sommes artistes et cofondatrices de Collectif 509. Jodia, moi là parce que demain, nous avons une belle exposition dans le cadre de Art Beat Miami 2018. Grâce à le ministre de la Culture qui bail un support à trois artistes dans le réseau, nous venons là pour participer dans la Coquin Chain exposition. Ça. So, vous voulez faire une petite visite, venez avec nous, checker. Il y a plusieurs artistes qui viennent là, qui ont exposé la première, mais nous-mêmes, nous avons 5 ou 6 artistes qui viennent d'Haïti. Et pour Collectif 509, nous avons Françoise Azel, moi-même, avec Tia, nous avons parlé avec nous. Mais pour le moment, il y a fait un petit setup pour mais pas un petit secret. Voici œuvre que je vais exposer. Là, c'est qui ça lié? Bon. Quand tu parlais de lui, c'est pas de la peinture, c'est dessin. C'est dessin aquarelle avec marqueur. Et inspiration, c'est Haïti. Donc, so, moi, plusieurs bagages que je vois chaque jour en Haïti. Et puis, je mets des propres têtes dans la situation. Okay. Ça, c'est Haitian Motorcycle Diaries. Vous nous connaissez qu'en Haïti, il y a un pilote de motocyclette, hein? Un pilote de motocyclette. Ouais. Taxi moto. Et puis dans l'œuvre, ça. On a là d'abord. Vous voulez aller là. Ok, ça c'est. Moi-même, même moi, je réfléchis d'Haïti. C'est un paradoxe en Haïti. Et puis ça, où est une femme qui a marché. Normalement, il y a marché. Et poisson. Il y a beaucoup de contradictions en Haïti. Et puis moi-même, essayer de créer une œuvre thématique. Ça. Et puis finalement, si vous parlez, tout le monde qui voyage à Haïti, soit haïtien, soit diaspora, soit blanc, vous voyez tous des différents types de maisons, de petits business. Et ça, c'est l'autodivine. On peut faire un bagage que nous sommes capables de voir dans tout côté en Haïti. Donc, so, moi-même, faire un petit schéma sur ça et puis mettre tête en un. Ok, d'accord. On y va. Et on visite l'exposition un peu. Là, je vous dis, et Valérie Noisette, et c'est. Ranger la branger bah là bon. Parce que c'est demain grand show en pile mais là où bien Claudia Appel n'est pas fait partie de collectif Claudia Appel hein? Mais son on artiste que nous respecter en pile. Là, nous avons Oliga qui nous a exposé plusieurs fois en collectif 509 mais son graffiti artiste. Mais on pas capable de montrer tout Foyo vini. Donc, on a plusieurs artistes locaux, des artistes haïtiens, so gen un mélange des artistes. Ouais, des types de fois comme ça, c'est tellement important pour les artistes haïtiens parce que yo ba une opportunité pour créer un dialogue, pour montrer et nouveaux génération des artistes qui a fait exposer. Et je pense que c'est une très bonne opportunité pour faire des networks avec des autres personnes et pour vraiment et mettre l'art haïtien contemporain sous la carte internationale de l'art. Oui. Voilà. Je suis capable de parler en pile, mais ça veut dire que vous parlez avec Françoise et Tia, les deux autres artistes qui viennent avec Collectif 509 et avec le support du ministère de la Culture. So, merci beaucoup. Qui est-ce que vous êtes là, Josia? Qui est-ce que vous êtes? Ça, c'est Françoise Azel, le membre de Collectif 509. Françoise, c'est un gros artiste, femme. Parlez-moi de Françoise. Parlez-moi de Françoise. Ah, quoi ça? Parlez-moi de Françoise.
Ah ouais, ça va passer dans le palais. François, c'est un artiste vraiment innovatif et là, il utilise des matériels et cardboard, carton, pour faire des œuvres et pour faire des sofas, des tables et encadrement. Il a vraiment utilisé une méthode qui est vraiment intéressante, qui en plus là, ici, est capable d'apprendre des techniques. C'est bien ça? Hein? Les bien présentés? Oui, les bien présentés. Eh bien, nous parlons, tu vas aller, hein? Oui, d'accord.